on aime bien bouger et on a envie de faire une activité tous ensemble. Et moi, j'aime bien la danse. Cet atelier Danse avec ton môme, l'accent il est vraiment mis sur la relation entre le parent et l'enfant, et une relation qui va être corporelle, créative, artistique. La danse va permettre à ce que l'enfant et le parent tournent, sautent, marchent. C'est décontracté, on n'est pas là pour, on est là pour rigoler. Et c'est vraiment en bonne ambiance, c'est bienveillant. En fait, les parents s'amusent autant que les enfants. Donc c'est vraiment un moment de partage toutes les deux. On ressort vraiment avec la pêche. Le parent danse avec l'enfant et ce qui crée du coup une relation d'égal à égal, parce que c'est toujours rigolo de voir son papa faire l'escargot, sa maman faire la girafe. Super, c'est que c'est un moment où on est vraiment avec son enfant, on n'est pas parasité par quelque chose à faire, un coup de téléphone. C'est un peu comme une petite bulle où voilà, on a un moment qui est vraiment en famille. C'est vrai que moi j'apprécie beaucoup parce que ça me permet de passer du temps avec, avec mes filles que je vois pas autant que je voudrais la semaine. Et puis bah, elles aiment bien, elles bougent dans tous les sens. Ah, Chacha, t'aimes bien la musique? Danser? C'est vraiment un moment privilégié avec l'enfant, ouais. Et ça, il faut en profiter, il faut le créer. On retrouve de la chaleur humaine, on retrouve beaucoup de bienveillance. C'est un climat vraiment très chaleureux. Et quand on ressort d'ici, on est plein d'énergie. Le parent se met au même niveau que l'enfant et c'est là où on découvre le plus son enfant, je trouve. Et où il y a une relation de bienveillance, d'accompagnement qui s'installe. La musique et la danse va venir un peu cimenter ça. Ça les aide à appréhender un peu l'espace, à leur donner une assurance aussi, je pense. Quand on voit son enfant qui est mort de rire, on est content et c'est chouette. Et puis eux, ils sont super contents de venir. On s'amuse tellement qu'on revient à chaque fois.